Bah oui, si tu veux, mais d'abord j'ai une course à faire. Mais où il est? Mais c'est pas possible! Mais quoi? Bah mon argent! J'avais 200 francs, tout mon argent de poche! T'inquiète pas, peut-être que tu l'as pas mis dans ton sac. Mais si, j'en suis sûre, parce que je voulais m'offrir un t-shirt Mickey dans The Block. Tu sais, j'ai Pop Jean à côté. Oh bon, c'est pas grave, j'ai toi de toute façon, bah, c'est que de l'argent. Ah, ça y est, je l'ai retrouvé, je l'avais mis dans ma poche. Tu vois, faut pas être parano comme ça. Parano, t'es pas au courant qu'il y a plein de vols en ce moment dans les couloirs du lycée? Tu sais, Cathy, la fille qui est en 3ème 2, elle s'est fait voler 500 francs dans son sac il y a 2 jours. Voilà, t'as vu? Qui c'est? Ah, qu'est-ce qu'il est beau! Tu trouves pas? Oh non. Ah si, il est même mieux que ça. Bah non, je le connais pas, Alain. Allez, arrête de bouger comme ça. T'as qu'à aller lui dire bonjour. Tu crois? Mais enfin, d'habitude, dès qu'il y a un nouveau, tu te précipites sur lui. D'habitude, oui, mais là, je sais pas pourquoi il m'intimide. Tu veux pas aller voir? Ah non, hein, pas moi. Parce que chaque fois que je t'arrange une histoire avec un nouveau, moi, j'ai des histoires avec Jérôme. Oh, mais on s'en fiche. Ah bah, tu t'en fiches peut-être, mais pas moi. T'es pas sympa. Oh, dès que je sais pas ce que tu veux, hein. Salut. Je vous ai fait peur? Ah non, pas du tout. Bon, très bien. Parce que je voulais seulement vous dire bonjour. Salut. On fait celle qui s'intéresse pas. Ok. Je vous dérange? Bah, oui, un peu. Oui, tu vois, on discutait. Bon, bah, je vais pas vous embêter plus longtemps. Oh, zut, il s'en va, mais il s'en va. Mais qu'est-ce que je peux être bête? Mais rappelle-le. T'as raison, j'ai une idée. Je vais le faire à la manière des films hollywoodiens. Comment? Tu vas voir. Tu nous offres à boire, Boblon? Le Boblon, il s'appelle Henri. Moi, c'est Annette. Ça vous dirait des glaces? Oh ouais, super! Grande idée! Vous voulez quoi? Non, je vous fais la surprise. Qu'est-ce qu'il fait là, Henri? Tu le connais? Bah oui, il est dans ma classe, c'est un nouveau. Mais il est là depuis combien de temps? 15 jours. Enfin, ça explique pas ce qu'il faisait avec vous. Et voilà le travail. Combien on doit? Non, rien, c'est moi qui invite. Oh, écoute, merci, mais la prochaine fois, hein, ce sera nous. Ça fait vraiment plaisir de voir des garçons qui savent vivre. Viens t'asseoir avec nous. Non, non. Ah bon? Bon, bah on a qu'à aller faire un flipper, je crois. Non, merci, vous. Bon, on va se faire ce flipper. C'est ça! Allez faire un flip! Justine, tu devras les accompagner. D'accord. Alors, tu viens d'arriver? Tu dois te sentir un peu seule. Oui. Tu sais, c'est vraiment sympa de m'avoir offert une glace. Oui. Annette? Oui? Ça te dirait d'aller faire un flipper avec les autres? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la fête de Jérôme? Je sais pas, je suis fauchée comme un crâne de chauve. Alors, tu vas rien faire? Tu vas rien lui offrir? Bah, un baiser, c'est tout ce que je peux faire. C'est dommage parce que j'avais vu un blouson super. Un teddy vert avec des manches beige. Oh, c'est pas grave, tu sais. Un baiser quand on aime, ça vaut tous les blousons du monde. Bah oui, peut-être. Mais tu vois, le plus rageant, c'est que dans un mois, j'aurai l'argent pour le lui offrir. Et ce sera plus sa fête. Mais c'est pas grave. J'ai une idée, t'as qu'à lui offrir dans un mois son blouson. Et puis au lieu d'être sa fête, eh ben, ce sera une petite fête pour vous deux. Tu crois? Mais oui. Bon, je te laisse. C'est mon cours d'espagnol.
Salut. Salut. Bah, t'es pas en cours? Non, je me suis dispensé de gym. Ah, d'accord. Annette n'est pas avec toi? Bah, non. Elle est en cours d'espagnol. Pourquoi? Non, non, pour rien. Oh, regardez! C'est la gym! C'est la gym! Chut! Je suis surpris, là, pour une surprise. Toi aussi, t'es là, Henri, bah, ça me fait plaisir. Moi aussi. Mais tu m'embrasses pas? Eh, mais je n'embrasse que toi. Wouah! Tu m'emmènes. Sia. Qu'est-ce que c'est? Une surprise. Waouh! 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 Eh, mais c'est plus une surprise, c'est une folie. Eh ben. Oh là là, il est super. Rien n'est trop beau pour toi. Il est vraiment génial, ce blouson. Eh ben, dis donc, hein, elle s'est pas foutue de toi. Un teddy comme ça, ça coûte... et encore plus que ça, encore. Tu trouves pas ça bizarre que Justine ait offert un teddy comme ça à Jérôme? Surtout après les vols qu'il y a eu. Il ne faut pas voir le mal partout. Allez, un discours. Eh bien, je vous remercie tous d'être là ce soir. Surtout toi, Justine. Et puis, ben, je te remercie parce que tu m'as fait le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait pour ma fête. Voilà. Et puis, ben... Musique. Allez, ouais, génial. Super. Allez. Allez. Cathy. Non, Marc. Ils disent que je suis une criminelle. Marc. Mais moi... Je suis sûr de ton innocence. Oh non, ça va pas, ça. Je me vois mal dire, mais moi, je suis sûr de ton innocence. Surtout que la pauvre, tout la câble. Pas possible, ça, comme réplique, non. Faut trouver autre chose. Ah oui. Ça, c'est mieux, oui. Marc. Ne t'inquiète pas, mon amour. Je vais démasquer le vrai coupable. Et il expiera, heura. Son horrible forfait. Voilà. Oh non, ça c'est trop pompier. Oh, puis elle me casse les pieds. Je sais pas, moi, il a qu'à dire ma pauvre fille. On n'a pas idée d'être innocente quand on a l'air aussi coupable. Ça c'est bien. Alors oui, oui, Roger Girard, parfaitement, le père de Justine. Ah, bonjour madame, comment allez-vous? Oui, nous avons toujours rendez-vous dans 15 jours pour la réunion du conseil de lycée, oui. Alors, je vous préviens tout de suite, la liste des revendications des élèves est longue, oui. Comment, ma fille? C'est pour elle que vous m'appelez? Une affaire grave? Il ne lui est rien arrivé? Ok. Non, j'ai eu peur. Oui, bien sûr, si vous voulez. Oui, ben... tout de suite, j'arrive. Oui, je vais au lycée de Justine. La directrice vient de me téléphoner. Ah, monsieur le représentant des lycéens, du travail. Non, non, c'est Justine. Hein? Oui, et ça a l'air grave. Il lui est arrivé quelque chose? Non, non, non. Mais alors quoi? Bah, écoute, je sais pas, elle a pas voulu m'en parler au téléphone. Bon, je viens avec toi. Si tu veux. Il a de la chance, Jérôme, quand même, tu trouves pas? Moi, j'aimerais bien qu'on me prenne un blouson comme ça pour ma fête. Enfin, tout de même, moi, je trouve ça curieux que Justine fasse des cadeaux comme ça à Jérôme en ce moment. Avec tous les vols qu'il y a au lycée. Ouais, mais tu commences à parler comme Isabelle, maintenant. Pourquoi? Elle dit pas des idioties. Quoique. Ouais, moi, je refuse d'y croire. Moi non plus, mais je me pose des questions. Enfin, si j'étais Jérôme, je me baladerais pas trop avec ce blouson. Chut. Tu crois qu'il faut lui dire que des gens soupçonnent Justine? Non, pas du tout. Salut, vous avez pas vu Justine? Non. Jérôme, tu sais, à propos de Justine... Mais qu'est-ce qu'il y a avec Justine? Il y a rien, mais il y a des gens qui disent... Tu sais, nous, on les croit pas, mais... Qu'est-ce qu'ils disent? Il y a des trucs pas bien, n'écoute pas. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de pas bien sur Justine? Mais puis qui est-ce qui dit ça? Mais des gens au lycée. Mais qui ça? Puis qu'est-ce qu'ils disent? Non, non, je vais pas vous le dire. Toi, Jérôme, ça va t'énerver, et puis Annette va pleurer. Mais je vais pas m'énerver. Mais non, je vais pas pleurer. Comme si c'était mon genre. Tu crois qu'on peut leur dire? Ben...
Bon, ben, c'est qu'il y a des garçons et des filles au lycée qui trouvent ça un peu curieux que Justine t'ait offert ce blouson. C'est des jaloux. Surtout en ce moment, il y a tous ces vols dans les couloirs. Qu'est-ce que tu dis? Moi, je dis rien, je dis juste qu'il y a des gens qui disent, hein. C'est pas une voleuse, Justine, c'est pas une voleuse. Non, 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 c'est pas une... Mais Jérôme, où tu vas? La crise de 29, le New Deal, Roosevelt... Est-ce que je m'en fiche? Enfin... Oh, Jérôme... Justine, il faut que je te parle. C'est si urgent que ça? Oui. Bon, bah, entre. Il faut que je révise mon interro d'histoire. Si j'ai la même note que la dernière fois, Roger et Marie vont me jouer du rap en stéréo. Écoute, voilà, c'est très important, c'est très grave, je te le rends. Mais quoi? Bah, je te rends ton blouson. Mais pourquoi? Il te plaît pas? Mais si, beaucoup, mais... Bah mais quoi? Mais écoute, si t'as fait une bêtise pour l'acheter, j'en veux pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah, ce blouson, il coûte très cher, et puis... Mais quoi, accouche? Mais il y a des gens qui pensent que c'est toi qui piques dans les vestiaires au lycée. Hein? Quoi, mais c'est pas vrai! C'est pas possible! Et toi, tu le penses aussi? Mais non, moi, je préfère pas le penser. La preuve que si, tu le penses, puisque tu veux me rendre mon blouson. Bonsoir, madame Girard. Bonsoir. Bonjour, Jérôme. Jérôme, ça ne vous ennuierait pas de nous laisser. Il faut que nous parlions à Justine. D'accord. Bon, bah, au revoir. Salut, Justine. Bah, qu'est-ce qui se passe, Justine? Tu pleures? Non, c'est rien. On s'est disputé, Jérôme et moi. Justine, ma petite fille, tu sais que tu peux compter sur nous si tu as des problèmes. Oui, on est là pour t'aider. Non, c'est rien. Bon, c'est juste disputé. Mais on ne veut pas te parler de ça, mais d'autre chose. Mais c'est pas vrai, mais vous le croyez pas, vous, au moins? Mais bien sûr, on ne le croit pas. Et tout de même... On sait bien que tu n'es pas une voleuse, on l'a dit à la directrice de l'école, mais... Seulement, voilà, quand elle nous a demandé combien on te donnait d'argent de poche... Enfin, t'as bien acheté à ton petit ami un blouson qui coûte une fortune et... Et comment vous savez ça? C'est la directrice de l'école qui nous l'a dit. Comment elle le sait, elle, hein? Et c'est pour ça qu'on m'accuse. Mais non, on ne t'accuse pas. Seulement cet argent, il vient bien de quelque part. On me l'a prêté. Et qui te l'a prêté? Mais ça, je peux pas vous le dire, moi. J'ai promis. Mais écoute, tu peux nous le dire, on n'est pas des parents bornés. Non, c'est vrai, vous êtes plutôt sympa dans le genre parent. Sauf quand on vous raconte n'importe quoi sur moi et que vous le croyez. On t'a pas dit qu'on le croyait. On se pose des questions, c'est tout. Tu peux nous le dire, parce que si on ne sait pas la vérité, comment est-ce qu'on va te défendre? Mais oui, mais moi, j'ai promis de pas le dire. Comment vous voulez? Bon, d'accord, je vous le dis, mais alors, vous me promettez de ne rien dire. Alors voilà. Qui sait? Bonjour, Annette. Excusez-moi, monsieur Girard. Je suis venue voir si Justine allait bien. Ah, Annette, tu connais pas la meilleure? Tu m'accuses d'être la voleuse des couloirs. Hein? Remarque, y a plein de gens qui se demandent comment t'as pu offrir un super blouson à Jérôme. Celui-là, c'est la dernière fois que je lui ai offert un cadeau. Surtout qu'il y a plein de vols en ce moment. Ah oui, justement. Mais c'est pas vrai, mais vous êtes tous contre moi! C'est pas possible, ça peut pas être elle. Enfin, il faut que je sois sûr, il faut que je sache. Mais tout le monde est d'accord. C'est vraiment dommage d'arriver à soupçonner Justine. Oui, puis si ça continue comme ça, on va finir par soupçonner les uns les autres. Bon, ça, c'est pas trop grave. Soupçonner Justine et puis lui faire confiance. Il faut trouver le coupable. Henri. Pourquoi Henri? C'est parce que c'est un nouveau que c'est lui le coupable? Non, 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 mais c'est parce que c'est un nouveau qu'on ne le connaît pas. Et puis il a l'air d'avoir de l'argent. Excuse-moi, mais c'est pas un crime d'être riche. Oui, d'accord, mais d'avoir volé pour le devenir, là c'en est un.
Oui, mais ça innocente pas Justine. J'ai lu dans Agatha Christie que le meilleur moyen de prouver l'innocence de quelqu'un, c'était de trouver le vrai coupable. C'est pas bête, ça. Seulement, le vrai coupable, il faut le trouver. Nous, on n'est pas la PJ, et vous, vous êtes pas des aigles. Et toi, ça va. Hein. Mais je sais ce qu'on va faire. Quoi? Eh ben, on va trouver le vrai coupable et innocenter complètement Justine. Henri? Henri ou quelqu'un d'autre. Mais si c'est Justine? Ben, si c'est Justine, je lui parlerai. Bon, d'accord. Comment on fait? Ton père a toujours son caméscope? Oui. Bon, François, toi qui as l'air un peu idiot... Oh, bah c'est sympa, ça! Bon, te fâche pas. Il nous faut quelqu'un qui puisse jouer les imbéciles sans que ça se remarque. Justine, Justine, on se tait. Mais même mes amis n'ont plus confiance en moi. Mais non, tu dramatises. Je dramatise. Ah, je dramatise. Mais cet après-midi, quand je suis arrivée à la cafette, ils sont tous arrêtés de parler subitement et puis ils ont pris des airs gênés. Même Jérôme, même toi. Moi? Oui, toi. T'arrêtes pas de me demander, mais qui c'est qui t'a prêté l'argent pour ce blouson? J'arrête pas de te le demander parce que j'arrête pas de me le demander. Oui. Et moi, j'arrête pas de te dire que... Je peux pas te le dire, c'est un secret. Enfin, quand je te vois, parce que maintenant, je te vois de moins en moins. Tu crois que c'est moi? Mais pas du tout, mais... Mais quoi? Mais c'est un secret. Oh, mais tu peux me le dire, moi, j'ai pas de secret pour toi. Ah, si? Bon, ben... Le secret... Allez, les filles! Moi, oui, mais Justine... Oh, Justine, t'en fais pas pour cette histoire. Tiens, écoute, je viens d'écrire à ta directrice, hein. Madame, à accuser sans preuve, on s'expose à compromettre à tout jamais la réputation et l'honneur d'innocent. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Non, mais, Justine. Qu'on va faire. Poussez-vous, poussez-vous, allez. Écoutez, j'ai un petit problème. Mon père m'a donné 1000 francs pour payer la femme de ménage. Seulement, avec tous ces vols dans les couloirs, j'ose pas laisser mon argent dans le sac. D'un autre côté, je peux pas trop faire sport avec. Allez, poussez-vous. Je suis un peu embêté là. Mon père m'a donné 1000 francs pour payer la femme de ménage, mais avec tous ces vols dans les couloirs, j'ose pas trop laisser l'argent dans mon sac. D'un autre côté, faire sport avec. Là, tu sais, je serais toi, j'en parlerai pas partout. Imagine que le voleur t'entende. Il a raison, cache bien ton argent, François, écoute. Mais t'es fou ou quoi de raconter ça à tout le monde? Il y a plein de vols en ce moment dans le lycée. Tu vois quelqu'un? Personne. Ça fait une demi-heure qu'on attend. C'est pas une idée géniale, hein, ton idée? Chut. Eh, mais c'est lui. Bah, il accroche son sac. Mais v'là Annette. Bah, elle est pas en cours, celle-là. Mais non. On dirait qu'elle cherche quelque chose dans son sac. Ouais, mais c'est pas son sac. C'est celui d'Henri. Hein? Bah, j'aurais jamais cru ça possible. Oh, c'est pas vrai. Eh, mes remarques, je comprends tout. C'est elle qui a prêté l'argent à Justine. Et c'est pour ça que Justine voulait pas dire qui c'était. Oh, mais filme, filme. Arrête, Annette. Arrête. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Mais lâche-moi, François. Annette, mais t'es fou, arrête. Donne-moi ça et tout pourra peut-être s'arranger. Non, jamais! C'est à moi! T'as pas le droit! Mon bébé, génial notre petite boîte aux lettres. Les autres se doutent de rien. Asseoir à l'endroit habituel. Je t'embrasse sur les deux nonnes, mon petit étard hublot. T'avais pas le droit! Ton Henri. Écoute, Annette, je suis désolée. Toutes mes excuses. Et lui, là, pourquoi il filme?
Bah, Annette, excuse-nous, mais comment vous le savoir qui était le vrai voleur? Eh ben, on a imaginé ça. Bravo, très malin. Si vous aviez été en cours, là, au lieu de jouer les Agatha Christie, vous auriez vu la directrice. Elle a dit que la police, la vraie, elle a trouvé le vrai voleur. Ah, bah, c'est Henri. Justine, Henri, mais vous êtes complètement fou. Mais alors, c'est qui? C'est un type qu'on connaît pas, un rôdeur. Si vous voulez tout savoir, pour le blouson, c'est Henri qui m'avait prêté l'argent. Ah, c'est toi? Eh, mais c'est super sympa, ça. Mais pourquoi t'as fait ça? Oh, ça n'a pas d'importance. L'argent n'est pas la chose la plus importante dans la vie. Puis Justine avait l'air tellement déçue de ne pas pouvoir t'offrir ce blouson, ça m'a fait plaisir de lui prêter. En tout cas, Justine, chapeau. T'as tenu parole et c'était pas facile. Ma pauvre Justine, quand je pense qu'en plus, on t'a soupçonné. Heureusement que François et moi, on a monté ce super plan. Un plan foireux? Mais enfin bon. Je dirais rien parce que je suis gentille et puis que tout est bien qui finit bien. Ça c'est vrai, mon petit étard à hublot. M'appelle pas comme ça. Oui, l'appelle pas comme ça. C'est vrai, maintenant ça t'est réservé. Oui. On ne se cache plus. Et dire qu'on t'avait soupçonné, toi aussi. Moi? Mais pourquoi? Ah, parce que je suis nouveau, c'est ça? En partie. Non, puis en plus, tu avais l'air de rouler sur l'or, alors bon... Et alors, on va pas me le reprocher quand même? Ah ouais, mais on n'a pas l'habitude, nous. C'est toujours la même chose. C'est tout de même pas de ma faute si mon père est riche et qu'il me donne tout l'argent que je veux. T'en as de la chance. Oh, crois pas ça. Tu sais, on voyage souvent pour les affaires de mon père. Je suis jamais resté plus d'un an au même endroit. Oh oui, de l'argent, j'en ai là, c'est sûr. Mais des amis, j'en ai pas. J'en ai jamais eu. Et ben maintenant, t'en as un. T'en as deux. Et même trois. Une amie. Vous êtes géniaux. Je crois que cette année, j'ai trouvé des amis.